Bonjour à tous, c'est James Lou de Zurich. Concernant le gaz, petite alerte, je suis en weekly actuellement, d'accord? La divergence est toujours valable sur le ROC et le marché. Ok. On a ce Nenstar possible qui est une possibilité, d'accord? C'est une vision que j'ai par rapport à ce que je viens de tracer, d'accord? Il se peut qu'on fasse ce scénario-là. Et bon, c'est pas sûr, sachant que bon, je l'ai dit, on est à la cave quand on est sur des plus bas historiques, vous savez ce qu'on fait. En plus de ça, vous avez ici en weekly une étoile du matin, d'accord, qui dit que le marché peut remonter. On avait un signal à peu près identique ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on me demande à chaque fois? C'est quoi le prochain objectif? Le prochain objectif, on va faire simple, on va chercher ce qui s'est passé la dernière fois ici. Les traders sont allés chercher 50% de Fibonacci pile poil ici, là, vous voyez, ici à la clôture de la bougie. Bougie verte ouvre en bas, clôture en haut, ici. Et on s'est arrêté autour des 2,94. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je reprends mon outil de mesure. Je prends la bougie du 8 janvier. Je prends la mèche. Je descends sur la bougie du 19 février. Je me prends aussi la mèche. Je m'arrête. Et je viens chercher mes 50% ici. Allez, même un peu avant. Ouais, 2,34, 2,35. 2,34,50. Pile poil au poil de cul, c'est ici. Allez, 2,35. 2,35 serait une possibilité. Et ensuite, à moyen terme, on pourrait aller chercher ici les 2,84 ou alors cette zone de polarité ici qui est très bien. D'accord? On prend les mèches ici et ça serait du 2,48. Voilà, 2,48, 2,50. Vous savez, les 2,50, c'est le prix en moyenne. Hein, 2,50, 2,60 du gaz. Voilà, on va dire ça. Donc n'oubliez pas, on peut targeter ici les 2,35. Si la vidéo elle vous a plu, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, je ne vais pas vous saouler avec ça, contrairement aux autres. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'était James, le loup de Zurich. Paka paka.